Et tout de suite, on retrouve notre corps à corps. Corps. À corps. Corps. Corps à corps. Alors, dans ce corps à corps, on va parler de nos services publics. C'est le collectif Nos Services Publics qui a publié le 14 septembre une somme de plus de 300 pages qui retrace l'évolution des services publics dans les 10 à 40 dernières années. Alors, une étude qui est partie d'un paradoxe, hein. On n'a jamais eu un service public aussi mauvais, qui craque de partout, comme ils disent eux-mêmes. Ça, c'est le point de départ. Et pourtant, il y a aujourd'hui plus d'argent public qu'il y a 20 ans, et plus d'agents publics également. Donc plus d'agents et moins de services, comment l'expliquer? Alors on comprend à travers cette étude que les besoins sociaux, voire sociétaux, se sont multipliés, la société se transforme, hein, ils le disent bien, un jeune sur quatre obtenait le bac, maintenant il y en a quatre sur cinq. Bon après il faut voir quel bac, mais bon. Voilà, 30% de maladies chroniques en plus, le nombre de kilomètres ont été multipliés par 5 en 60 ans. Et deuxième point majeur du rapport, eh bien il y a cet espace croissant entre les besoins de la population et les moyens des services publics. On le voit aussi, le secteur privé qui se concentre sur les actes les plus rentables, qui vient se glisser finalement dans les failles du service public. Un exemple, par exemple, en santé, les cliniques se concentrent sur la chirurgie ambulatoire et qui laissent au public, elles, bah, les urgences, les soins lourds, les réanimations, les patients précaires, ce qui continue de creuser le déficit. Mais tout ça, en fait, pour nous, c'est la question de ce déficit du service public, la question de la gestion de ces services et puis de leurs priorités. Et puis surtout, derrière, eh bien, si mauvaise gestion il y a, la question du consentement à la peau qui ne cesse d'augmenter. Donc voilà, si les Français finalement n'ont plus d'accès à la santé, n'ont plus de police pour assurer leur sécurité, on en parlait il y a quelques instants encore, n'ont plus d'école pour l'éducation de leurs enfants, comment peut-on légitimement continuer de payer l'impôt qui ne cesse d'augmenter? Voilà la question qui se pose aujourd'hui dans notre corps à corps. Et pour en parler, nous sommes toujours avec Jean-Pierre Colombias, que nous retrouvons toujours, ancien commandant de police au sein de la PJ. Nous sommes également avec Baptiste Gauthier, rédacteur en chef du journal Contrepoint. Bonjour à vous. Bonjour. Et puis, nous sommes avec Emmanuel Grieux, maire de Bandagou. C'est un petit village de 400 habitants dans les Cévennes, dans le département du Gard. Bonjour à vous, monsieur le maire. Bonjour. Alors, on va commencer peut-être, je vais demander à Baptiste Gauthier, rédacteur en chef du journal Contrepoint. Je sais que vous avez étudié un petit peu ce rapport, hein, du collectif Nos Services Publics. L'idée n'est pas forcément d'ailleurs de faire tout le bilan du rapport qui est très très riche, mais surtout de partir de ce constat que ça craque de partout, malgré le fait qu'on continue de distribuer de l'argent et d'en donner toujours plus, nous, Français. Mais qu'avez-vous pensé de ce rapport, Baptiste Gauthier ? Oui, alors bon, c'est un rapport qui nous dit quelque chose que l'on savait déjà en réalité, c'est-à-dire qu'on a une augmentation des dépenses publiques, on a une augmentation de la fiscalité depuis à peu près une quarantaine d'années. Malgré tout, on a quand même des services publics qui sont défaillants, ou en tout cas des Français, le contribuable, qui considèrent que ce soit la justice, que ce soit l'éducation, que ce soit la santé, que ce soit la sécurité intérieure, bref, on a un sentiment d'insatisfaction par rapport aux services publics. Donc, il y a une forme de paradoxe apparent. Moi, ce que je mettrais en avant sur ce rapport, c'est ce qui est assez étonnant, c'est qu'on ne se pose jamais la question de savoir est-ce que, en fait, ce n'est pas le logiciel qu'il faut changer, mais je pense qu'on va avoir l'occasion d'en discuter. Bien sûr. Oui. Précision, vous parlez finalement de ressenti, de sentiment de dégradation. Là, je pense qu'on a des chiffres et puis on a des réalités. Hein. Les écoles ferment, les hôpitaux ferment. On disait qu'il n'y a même plus de commissariat à Marseille la nuit. De moins en moins, il y en a qui ferment la nuit. Donc, tout ça, ce sont des réalités, ce n'est pas des ressentis. Et là, je vous donne quelques chiffres qui sont dans le rapport. Le délai du jugement d'une affaire civile devant le tribunal de grande instance est passé de 7 mois en 2005 à 14 mois en 2019. Et je pense qu'il y a d'autres délais qui sont encore plus importants. Dans le maintien de l'ordre public, on a une baisse de 10% dans la sécurité de la paix publique, c'est-à-dire la sécurité du quotidien. Voilà, on a des chiffres comme ça, je pourrais en donner d'autres, notamment dans l'éducation, dans la santé, on le voit aussi, hein, tous ces hôpitaux qui ferment partout, les services de nuit qui ferment, les urgences qui ferment. Donc tout ça, ce sont des réalités, ce ne sont pas seulement des ressenti. D'ailleurs, peut-être un petit point, Jean-Pierre Colombias, de nouveau sur l'importance des fermetures. Vous avez commencé à en parler tout à l'heure, des commissariats, mais oui. Est-ce que vous avez une vue un peu plus globale sur au niveau de la sécurité, de la police, de la dégradation de ce service ? J'ai parlé de Marseille, mais j'aurais pu aussi vous parler de la région parisienne. Vous avez en petite couronne des commissariats,
qui sont en état de survie clinique, oui. Pour faire un parallèle avec la santé. C'est-à-dire que ce que je veux dire par là, c'est que oui, il faut un nombre minimum de fonctionnaires pour qu'un commissariat fonctionne. Mmh. Là, un commissariat, c'est comme les services de santé d'urgence, il faut toujours quelqu'un, d'accord ? Donc ça fait les 3-8, donc il faut un minimum de fonctionnaires qui est d'environ 60 à 70 personnes, minimum. Mmh. Moi, j'ai connu des commissariats comme Boulogne, avec plus de 200 fonctionnaires, Neuilly-sur-Seine aussi, qui à l'époque avait 220 fonctionnaires, qui aujourd'hui, ces deux commissariats, par exemple, ne sont plus en capacité d'équiper une patrouille. Donc on est à un niveau minimum de personnes. Alors pour revenir sur les chiffres de la sécurité publique, d'ailleurs, de services publics, il faudrait savoir déjà préciser de quel service public on parle. Des services publics d'État ou des services déconcentrés oui. Vous voyez ce que je veux dire des départements, ce genre de structure. Parce que bon, je ne vois pas où ça a pu augmenter, le nombre de personnel a pu augmenter au niveau de la sécurité, dans la police, où on baisse les effectifs, justement. Donc où passe-t-il? Où sont les budgets? Qui recrute-t-on? Mais c'est ça. Effectivement, il y a. Non, mais on voit bien qu'il y a un problème de suradministration aussi. Par exemple, dans la santé, on a un tiers du personnel de la santé qui est passé dans l'administration. Enfin, qui est du personnel administratif. Alors, vous avez un problème de ce genre-là dans la police, où effectivement, il y a eu des départements, je pense à des zones, notamment les Hauts-de-Seine, par exemple, où il y a eu trop de commissariats. Il y avait 22 commissariats. Il y a eu un temps où on voulait faire plaisir à tout le monde. Donc, on avait une politique de riches, on pouvait mettre des commissariats partout. Tout le monde, toutes les circonscriptions n'avaient pas nécessité absolue à avoir son commissariat. Bon, il suffisait d'être copain avec le Premier ministre ou le président de l'époque. Si ça allait bien, on était encore riches. Bon. Il y a effectivement des strates, on l'a évoqué tout à l'heure, des strates démultipliées d'état-major. Faut savoir qu'à la préfecture de police, vous avez quasiment 3 états-majors pour les mêmes choses, pour les services publics. Ça, la DPC, les CRS, la DESPAP. Oui. Bon, il faudrait unifier un petit peu c'est tout ça. C'est le millefeuille administratif dont tu parlais tout à l'heure. Finalement, on rajoute des couches administratives, mais les opérationnels, eux, diminuent. Et Emmanuel Grieux... Et en justice, c'est un peu la même chose. Excusez-moi, parce qu'on parle de... Vous avez évoqué le ralentissement des décisions de justice. Le problème, c'est aussi un nombre de personnels. Les greffiers sont un nombre totalement insuffisant. La population a pris 10 millions d'habitants en environ 30 ans. Le nombre de dossiers à traiter était multiplié par 4 ou 5, mais le nombre des greffiers est le même. Donc, de fait, vous avez un embouteillage clair. Tout s'explique. Mais oui, mais c'est tout le sujet. Emmanuel Grieux, donc vous êtes maire dans le département du Gard. La dernière fois, quand vous avez reçu, c'était parce que vous battiez pour garder une école ouverte qui devait fermer. Donc, cette disparition du service public, vous êtes aussi, vous le vivez en plein cœur, on va dire. Oui, bonjour. C'était une maternité qui fermait, effectivement. Oui. Et effectivement, oui, le service public, on les voit, surtout en ruralité, ils s'en vont. Alors, on parle des services publics qui ont été remplacés par les maisons France Service et les services maintenant de santé qui sont atteints, la trésorerie publique qui s'en va pour les collectivités. Et effectivement, le dernier bastion qui reste sur les territoires, c'est souvent les communes, qui doivent assumer un minimum de service à la population. Et ça, effectivement, ça fait quelques années que la tendance... On la constate au quotidien et puis ça s'arrange pas. La maternité a fermé. Aujourd'hui, on se bat encore pour essayer de faire quelque chose, mais demain, les urgences peut-être. Alors, c'est ce qu'on craint. Effectivement, il faut être vigilant tous les jours. Alors après, quand j'entends plus d'agents du service public, je rejoins le collègue du contrepoint et je me dis que effectivement, c'est peut-être le logiciel qui est à changer puisque on n'est pas efficace là où il faudrait. Je pense. Ah oui. Ça, c'est certain. Oui, ça, c'est certain. Et c'est un constat que tous les Français peuvent se faire. Les impôts augmentent. Là, on a ceux qui sont rattrapés par l'augmentation de la taxe foncière qui est énorme. Et finalement, ils se disent, mais attendez, j'ai payé tout ça, pourquoi ? Aujourd'hui, surtout quand on est dans la ruralité, je ne parle pas des Parisiens, mais quand on est dans la... Bah, pour les Parisiens, ça a explosé. On pourrait aussi. Mais bon, il y a encore un peu de service public. Quand on est à Mandagou, dans le Gard, vous l'avez dit, il faut se battre pour chaque service. Donc tout disparaît. Et puis ne parlons pas des transports publics également, qui sont de moins en moins présents. Donc tous ces gens-là payent autant que les autres. Et ils n'ont plus rien. Je veux dire, il y a une rupture totale d'égalité. Pourquoi ces gens-là devraient payer autant que les autres ? C'est vraiment le début d'un questionnement. C'est effectivement ce qu'on met sur la table souvent, c'est l'équité des territoires, l'égalité sur le territoire national. La République n'assume plus sa mission première. On est censé avoir un service public égal sur tout le territoire. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'est plus le cas du tout. Les super régions récupèrent des compétences qui vont en plus accentuer cette différence entre régions. Donc, il y a un vrai souci à redonner du sens à la République et à nos valeurs. Mmh.
Attendez, alors je vais juste donner la parole à Baptiste Gauthier et puis ensuite Jean-Pierre Colombès. Baptiste Gauthier, vous avez entendu, donc là, on a un maire et puis quelqu'un qui est vraiment en plein cœur de la police et qui s'est rendu compte lui-même, hein, qui a pu constater justement la dégradation de ce service. En effet, on se demande comment c'est géré, comment on arrive aujourd'hui à une telle situation où on ne cesse d'augmenter les impôts et que finalement, les services ne cessent de diminuer. Oui, alors d'ailleurs là-dessus on peut même donner quelques chiffres. Par exemple sur la hausse des impôts, si on prend juste les chiffres de 2021, moi je suis allé sur le site de l'OCDE, j'ai regardé. Alors en France, on a un taux de prélèvement obligatoire de 45,15% du PIB. La moyenne des pays de l'OCDE, c'est 34%. Donc en Allemagne, on est à 39%, Royaume-Uni 33%, et si on prend la Corée par exemple, on a 29%, la Suisse 27%. Donc on voit bien qu'en France, l'argent on va le chercher. Mmh. Sur les dépenses publiques, c'est à peu près voilà, sur les dépenses publiques, ça pourrait avoir la même chose. 58% du PIB en France en 2022, ce sont des dépenses publiques. Donc, l'argent, on va le chercher et l'argent, on le dépense. La question, c'est où est-ce qu'il passe ? Alors, vous avez donné quelques réponses. Effectivement, je pense qu'il y a une suradministration en France, que ce soit dans l'éducation ou dans la santé. Moi, l'éducation, qui est peut-être un domaine que je connais un petit peu plus, si on prend par exemple l'enseignement supérieur, il y a une véritable hypocrisie dans l'utilisation de l'argent public parce que on a un système qui, sur le principe, est censé être égalitaire. L'objectif de notre système d'éducation et d'enseignement supérieur, c'est de faire en sorte qu'il soit égalitaire. Donc, on fait en sorte que, par exemple, on va aider des étudiants qui sont en difficulté pour aller en L1 de sociaux, de philo, d'histoire, que sais-je, qui sont des secteurs, en tout cas des secteurs. Moi, j'ai fait des études d'histoire, donc je connais bien, qui sont des secteurs qui sont très intéressants hein, par ailleurs, mais où les débouchés sont pas toujours présents. Et donc, on va avoir un grand nombre d'étudiants en première année. Ça va coûter énormément d'argent. Il n'y aura pas de sélection. Alors qu'en même temps, on va avoir les prépas qui existent avec le système des grandes écoles. Et en fait, on va avoir un système à deux vitesses qui fait que le système est tout aussi inégalitaire. Mais ça coûte quand même énormément d'argent. Et donc, cet argent, on ne le met pas dans les infrastructures. On ne le met pas dans le fait de payer les professeurs correctement. Et ce qui fait qu'en France, les anciens chercheurs, qui sont souvent des anciens chercheurs de très grande qualité, moi, je peux le dire, mes professeurs étaient de très grande qualité à la fac, qui sont beaucoup moins payés que dans d'autres pays. Et ça, évidemment, ça pose un certain nombre de problèmes. Donc oui, il y a un vrai problème d'utilisation de l'argent public. Et juste, je voudrais rajouter une chose qui est quelque chose qu'on dit assez peu en réalité, c'est que c'est pas juste un problème de institutionnel ou administratif. Je crois que c'est aussi un problème culturel, parce que si on écoute par exemple les soignants ou les gens dans l'éducation, à chaque fois le problème c'est on n'a pas assez d'argent. Ce qui me semble être relativement faux par rapport à la réalité, parce qu'on le voit, on a l'argent. Le problème, il n'est pas là. Le problème, il est comment est-ce qu'on utilise l'argent. Comment est-ce qu'on utilise cet argent ? Et aussi, lorsqu'on dit il n'y a pas assez d'argent chez nous, c'est que forcément, soit il faut augmenter les impôts, mais on ne veut jamais que ce soit nous qui payons plus d'impôts, on veut toujours que ce soit le voisin ou le plus riche, soit il faut prendre de l'argent ailleurs. Donc, s'il n'y a pas assez d'argent de la justice, où est-ce qu'on va le prendre ? Est-ce que c'est dans les dépenses sociales ? Est-ce que c'est dans l'éducation ? Et donc là, il y a des arbitrages à faire. Et je pense que là, il y a une responsabilité collective aussi à avoir comment est-ce qu'on partage l'argent au sein du budget de l'État. Oui, mais cette question que vous abordez est très importante parce que c'est vrai qu'on entend tout le monde dire à l'hôpital, mais dans l'éducation, mais c'est vrai. Quand on regarde, par exemple, le salaire des infirmiers, il est le plus bas en France proportionnellement au PIB de toute l'Europe. Pareil pour les professeurs, les professeurs de collège-lycée. Donc, c'est vrai qu'ils sont très mal payés et qu'ils n'ont pas été indexés sur l'inflation depuis 20 ans. Donc, tout ça est vrai. À côté de ça, ils disent, oui, ben, nous, on n'est pas assez payé, on n'a pas assez d'argent, on a des problèmes d'imprimante, ça on peut raconter aussi du côté de la police. Oui, c'est pas mal aussi. Il y a des reportages qui ont été faits, ils sont inondés quand il pleut, ils n'ont pas d'essence dans leur voiture. Le budget de justice est l'un des plus bas d'Europe. Voilà. Oui, mais comme la santé et comme l'éducation. Donc c'est comme c'est quand même des alors où est passé tout cet argent? Qu'est-ce qu'ils foutent de notre pognon, comme disait. Où est passé tout cet argent pour les choses essentielles, c'est-à-dire ce dont on parle. Et alors vous soulevez cette question du problème culturel de dire on n'a pas assez, on veut prendre aux autres. En tout cas, il faudrait en effet retrouver l'argent qui part quelque part visiblement pour aller chercher. Et ça pose aussi une question de gestion. Alors Jean-Pierre Colombès, de philosophie de la
fiscalité aussi, parce que on voit bien que la fiscalité s'adresse toujours aux mêmes, pour ainsi dire. En tout cas, le gros du budget, c'est un petit peu toujours aux mêmes. Il y a un vrai débat là-dessus, notamment sur l'imposition des taxes financières. Enfin, moi, je ne suis pas économiste, donc c'est un sujet que j'aborde avec beaucoup de précautions, parce que je ne suis pas un spécialiste des finances publiques. Mais force de l'autre côté. Force est de constater qu'effectivement, on manque de moyens partout. Alors bon, je veux bien qu'on ait les dépenses les plus élevées, mais effectivement, je ne sais pas où ils vont. Alors, qu'il y a un problème de contrôle, ça c'est évident. Il y a un problème effectivement d'emploi des effectifs, ça c'est clair. Je peux vous assurer que si on rationalisait l'emploi des effectifs dans la police, par exemple, on pourrait récupérer des services, enfin des personnels pour les services actifs, pardon, excusez-moi. Mais en grand nombre, vous avez des services administratifs, ce qu'on appelle les SGAP, qui sont pleins de policiers actifs, qui font un travail d'administratif. On a le ministère de l'Intérieur est bourré d'anciens policiers actifs, des gens jeunes, hein, qui pourraient très bien être sur la voie publique, sur autre chose. On a ce millefeuille, cette incohérence dans la gestion, on a des services qui superposent d'autres services qui font exactement la même chose que l'autre. Enfin, c'est une incohérence absolue en termes de gestion. On ne sait pas gérer. En France, on a un gros problème. On va faire plaisir un petit peu à tout le monde. Mais à force de vouloir faire plaisir à tout le monde, on fait du grand n'importe quoi. Oui, on fait plaisir à personne. Parce que la philosophie, parce que la philosophie du service public, c'est quoi, fondamentalement? L'idée centrale, c'est quoi? C'est l'égalité de traitement de tous face à la gestion de l'État, face aux services que l'État doit rendre à sa population. Oui, ce qu'on appelle la continuité du service public. En contrepartie de l'impôt. Mais à partir du moment où vous avez cette rupture d'égalité, là, il y a un souci. Là, il y a un vrai problème. Et sachant que nous sommes actuellement gouvernés par des gens qui sont anti-service public. Et là, ça pose aussi une problématique d'honnêteté du discours. On voit bien qu'Emmanuel Macron est un ultra-libéral. Son idée, c'est pas le service public, c'est un anticonventionnel quelque part. Lui, c'est l'ultra-libéralisme, c'est l'argent roi. Et donc, quelque part, et ça, vous le retrouvez dans la philosophie du Beauvau de la sécurité, par exemple. Oui, mais je vais vous dire, il serait un vrai libéral, il se concentrerait seulement sur les fonctions, on va dire, régaliennes, essentielles, et il laisserait le reste au privé. Mais pourquoi l'idée. Pas mais sauf que l'idée. Ça marche pas, parce que pour le moment, l'essentiel n'est même pas accordé. Mais ça, je suis entièrement d'accord. Et donc, c'est pas un vrai libéral. C'est ce que dit le Beauvau de la sécurité, le livre blanc de la sécurité, pardon. Le livre blanc fait quoi, dit quoi, globalement? Dit que le régalien, bon, ça va bien, on peut éventuellement le réduire à minima, et on va déléguer beaucoup de fonctions régaliennes de sécurité publique, soit aux entreprises privées, aux boîtes privées, soit à la police municipale. Oui. Emmanuel Grieux, vous, en plus, il y a cette dichotomie, là, on parle des services publics essentiels, il y a cette dichotomie aussi entre, on va dire, ruralité et puis, grande métropole ou grande région. Oui, bon, les disparités sur les territoires, on les connaît, et puis dans la ruralité, on souffre de façon exponentielle chaque fois qu'il y a une baisse des services publics. Mais l'impôt et notre système français de répartition, c'est quand même un système à la base qui est formidable. C'est-à-dire qu'on a un système circulaire. C'est-à-dire que le citoyen cotise, le citoyen a ses impôts, il est reversé dans la société, et c'est quelque chose qui nous revient, et c'est ça qui est formidable. Et quand les ultralibéraux sont arrivés au pouvoir, et quand le marché est rentré en France comme il est rentré à partir de fin 70, début 80, alors là, on a récupéré cet argent du citoyen parce qu'on trouvait que ce n'était pas normal que le capital n'ait pas droit, qu'il n'ait pas accès à cet argent-là. À partir du moment où vous avez rompu cette chaîne, c'est fini. C'est plus équilibré du tout, et bien au contraire. Et donc, on pioche dans cette caisse circulaire du citoyen et le citoyen ne s'y retrouve plus. Effectivement, les impôts sont un des plus importants. On dit dans le monde, on dit souvent, effectivement, la France est championne des prélèvements. Oui. OK. Mais en face, on est quand même champion des jokers, quoi. On a quand même pas mal de jokers aussi en face. C'est-à-dire? Qui veut dire que les gens défiscalisent. On a des jokers. Oh, je paye pas l'impôt pour ça. Toi, je paye pas l'impôt pour ça. Et au final, il y a une inégalité de traitement qui fait que les super fortunes aujourd'hui sont taxées à hauteur environ, on estime, entre 2 et 4%, comparé à une TPE, PME qui paye 75% d'impôts à l'année. Au total sur ses revenus, ce n'est pas juste, et ces sentiments d'inégalité fait qu'aujourd'hui, les économies sont toujours faites sur les petits, sur les services publics, et etc. Quand on voit que, quand on parlait de Macron qui voulait garder les compétences, vous évoquiez les compétences régaliennes, mais en fait, même pas, il a déjà commencé à privatiser les compétences régaliennes, puisque la santé et l'éducation nationale commencent déjà à être privatisées. Donc moi je pense qu'on a atteint vraiment, au contraire, on commence à atteindre un seuil de gravité assez extrême et qu'on vit quotidiennement, hein, je vous dis la réalité, tout à fait. Ça commence à être
très inquiétant. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi, c'est sur la définition des termes et on va se retourner vers Baptiste Gauthier pour ça. Parce que vous dites tous les deux, Jean-Pierre Colombiès et Emmanuel Grieux, finalement, c'est cet état ultra-libéral qui fait qu'on a privatisé, etc. et que le service public a été délaissé. On ne peut pas parler d'ultra-libéral quand on augmente les impôts à plus 45% du PIB. C'est l'ultra-social, liste. Mais en revanche, la question, c'est qu'en effet, qu'ont-ils fait de cet argent ? Alors, pour la définition du libéralisme, non mais on va pas faire un cours d'économie, mais Baptiste Gauthier, finalement on a une espèce d'État hybride qui est ultra-socialiste quand il s'agit de lever les impôts, mais ultra-libéral quand il s'agit de redistribuer cet argent dans le service public. Alors oui, bon, moi ça va pas vous étonner, je suis pas tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Moi je pense absolument pas que Macron soit ultra-libéral, ni néolibéral, ni même libéral. Vous l'avez dit, hein, lorsqu'on a mais expliquez-nous, voilà. Ouais. 58% du PIB, ça marche pas. Alors je vais pas faire un cours des idées sur ce qu'est le libéralisme, mais je trouve que là le moment qu'on vit est intéressant parce que ce qui est drôle, c'est que on meurt de trop de collectivisme, de trop de socialisme, de trop d'étatisme en France, et que malgré cela, on arrive quand même encore à entendre que le problème, c'est parce qu'on aura privatisé les services publics ou qu'on aurait eu un tournant néolibéral en France qui n'a jamais eu lieu. On n'a pas eu de Thatcher, on n'a pas eu de Reagan. Enfin, je veux dire, oui, mais on a un constat, on a l'abandon du service public. Là-dessus, vous êtes d'accord? Bah, l'abandon des missions essentielles du service public, si vous voulez. Oui, mais c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de changement de logiciel. C'est que c'est une critique libérale. Les libéraux ne sont pas pour qu'il n'y ait pas d'éducation, pour qu'il n'y ait pas de santé et autres. Ils sont pour qu'il y ait une bonne gestion de la santé, une bonne gestion de l'éducation. Oui. Donc, vous l'avez dit tout à l'heure, nous, ce qu'on souhaite, c'est que les dépenses soient ciblées vers le régalien, que le régalien fonctionne correctement, et qu'ensuite, on simplifie un maximum et qu'on décentralise un maximum. Si ça veut dire, l'idée, c'est pas de privatiser pour privatiser et de faire le règne de l'argent, c'est pas du tout ça l'idée des libéraux. L'idée des libéraux, c'est de dire que les acteurs locaux savent mieux que les disons, l'essentiel, le régalien, on se concentre un petit noyau dur pour l'État et le reste au privé. Juste une question, s'il est pas libéral, et après, je vois bien que tout le monde veut réagir, hein, Emmanuel Grieux et Jean-Pierre Colombiès. Parce qu'il se passe exactement le contraire de ce qu'il a dit, donc. Il se passe le contraire. C'est pour ça que, mais il dit qu'il n'est pas ultra-libéral. Donc j'aimerais bien que vous nous expliquiez, Baptiste Gauthier, pour vous, Emmanuel Macron, il est quoi? S'il n'est pas ultra-libéral ou néolibéral, il est quoi? C'est un... je dirais que c'est un social-démocrate qui n'a toujours pas su, couper avec cette idée de l'État-providence. Et moi, je dirais que c'est un social-démocrate dans la même veine qu'un François Hollande. Ou voilà, il a eu des accents libéraux en 2017 dans sa campagne, mais aujourd'hui, vous trouvez pas un libéral qui va vous dire qu'il est heureux de ce que fait Emmanuel Macron. Pas un. Oui, mais vous trouvez pas non plus un socialiste ou quelqu'un qui défend le service public content non plus de ce qu'a fait Emmanuel Macron, mais ni d'ailleurs les présidents d'avant, ni François Hollande, ni Nicolas Sarkozy. Donc en fait, ces socialistes que vous appelez socialistes, ils servent pas non plus. Social-démocrate, il n'a pas dit socialiste, il a dit social-démocrate. Oui, on va continuer d'en parler parce que Emmanuel Grieux, je suis sûr que vous bouillonnez de votre côté, Jean-Pierre Colombiès, on l'entend. Il est 8h, il est 9h. Corps. Corps à corps. Et ça débat concernant ces services publics. Où est passé l'argent? Ça, c'est sûr, on se pose tous la question. Mais sommes-nous dans un État ultra-libéral, néolibéral ou ultra-socialiste? Ça dépend un peu des points de vue. Nous sommes toujours avec Baptiste Gauthier, rédacteur en chef du journal Contrepoint, donc qui est plutôt libéral. Jean-Pierre Colombiès, ancien commandant de police au sein de la PJ. Et Emmanuel Grieux, maire de Mandagou, qui est un petit village dans les Cévennes. Alors, Emmanuel Grieux, je vous donne la parole. Oui, merci. Non, j'ai réagir avec ce qui avait été dit tout à l'heure. Oui, on ne va pas faire un débat sur le néolibéralisme, mais c'est vrai que le gouvernement, pour moi, est effectivement dans le néolibéralisme, mais il compose dans le pays où il est. Comme c'est un gros malin, c'est bien qu'il est quand même quelqu'un d'intelligent, il est obligé de composer avec l'héritage qu'il a. Mais effectivement, ses orientations sont purement néolibérales. Et ce qui est navrant, effectivement, c'est qu'on n'arrive pas à sauver nos services publics. Et la direction des capitaux n'est pas dirigée là où il faudrait. On le voit bien, l'intérêt général doit primer sur l'intérêt particulier. La répartition des richesses n'est jamais véritablement abordée. Et au final, on sait très bien que c'est toujours le petit. Les salaires n'augmentent plus, le service public se réduit en permanence et les recettes, elles y sont toujours. Je veux dire, donc,
il y a un manque de recettes à répartition. On ne peut pas subir les mêmes inégalités en permanence et en même temps, à chaque fois, c'est toujours vers le petit et jusqu'à la classe moyenne qui sert la vie à chaque fois, dire, oui. pour la définir, qui sont en train d'en pâtir à chaque fois. Et on ne s'attaque jamais, quand on entend les chiffres scandaleux des grosses fortunes qui sont en permanence amassées, quand on pense toujours à ce ruissellement et qu'on dit « mais c'est formidable, il y a des grandes richesses sur notre pays, etc. Il y a des grands riches, des grandes fortunes. » Ben oui, non, mais d'accord, mais on sait très bien que depuis 40-50 ans, le ruissellement et la fameuse locomotive qui est censée faire les gros capitaux qui sont dans le pays ne fonctionne pas. On le voit bien, ça fonctionne pas. On rame toujours derrière, les petits sont toujours plus petits, oui. et les gros sont de plus en plus. Mais ça, gros, ça je pense que sur le constat, Baptiste Gauthier est d'accord avec vous. Moi, il y a seulement un truc qui me. Vous dites les petits moyens sont écrasés. Oui, alors ça c'est sûr, mais ils sont écrasés également par cette hausse d'impôts qui les rattrape tous les jours, la taxe foncière maintenant. Moi je l'ai vécu moi-même. Je peux vous dire, il faut un an pour rattraper la taxe foncière. Donc on est quand même dans des situations aujourd'hui où on a une classe moyenne qui est complètement sous l'eau. Je ne parle même pas évidemment des petits, comme vous disiez, qui n'ont plus moyen aujourd'hui de pouvoir prendre 3 repas par jour. Donc tout ça, on est tous d'accord. Ça, c'est pas forcément le lien avec une société ultra-libérale, puisque justement, l'ultra-libéralisme n'est pas censé peser sur la fiscalité des Français. Donc, c'est là où j'ai l'impression qu'en fait, on est dans un système un peu hybride qu'on a du mal à définir, et c'est peut-être aussi pour ça qu'on a du mal tous à s'entendre ici. Alors, Jean-Pierre Colombier, je crois que vous vouliez réagir aussi à ce que disait Baptiste Gauthier, puis ensuite, je redonne la parole à Baptiste Gauthier. Oui, alors, dire que Emmanuel Macron n'est pas un ultra-libéral, moi, je me demande qu'est-ce qu'il est, alors, parce que j'ai du mal à savoir où il va. Effectivement, comme c'est ce qui vient d'être dit, Emmanuel Grieux, il a un peu le cul entre deux chaises, si vous me permettez l'expression, parce que on est un pays, effectivement, qui est champion du monde des révolutions, ça c'est clair, et qu'on a toujours ce débat depuis 1789, surtout 1793, puis ça s'est développé en 48, 71, et ainsi de suite. Et on est entre deux systèmes qui s'opposent en permanence, entre des libéraux, je suis désolé de le dire, c'est des libéraux, des conservateurs, on va dire, et puis des gens qui sont plus socialisants et qui veulent effectivement que l'État soit plus jacobin que ce qu'il ne peut l'être. Donc c'est toujours un tiraillement. Donc c'est vrai que Emmanuel Macron est obligé d'être prudent. Oui, donc vous êtes pour hausser, là vous trouvez qu'on n'est pas socialisant. Donc vous êtes concrètement, ça veut dire quoi? Vous voulez encore hausser les impôts? Non, pas du tout. Parce que là, les Français sont écrasés. Comme ce qui vient d'être dit très justement, on a un problème de répartition des richesses, c'est tout. Il y a de l'argent en France, il y a beaucoup d'argent. Alors, il faut arrêter de dire que l'État s'appauvrit, c'est pas vrai. Mmh. Il y a beaucoup d'argent, simplement, il n'y en a pas pour tout le monde. Quoi. Il y a un déséquilibre permanent et Emmanuel Macron a parfaitement assumé l'idée qu'il allait protéger les premiers de cordée au détriment du plus grand nombre, c'est tout. Alors, si ça, c'est pas l'ultralibéralisme, qu'on m'explique ce que c'est. Parce que c'est pas du capitalisme, en tout cas, ça c'est clair. Oui. Parce que le capitalisme, c'est encore autre chose. Oui. Mais véritablement, quand vous décidez que le plus grand nombre fera vivre une minorité qui va largement profiter des richesses du pays, vous êtes dans une autre dynamique. Vous savez, c'est très voltairien. Voltaire, il disait qu'une société bien organisée reposait sur l'effort du plus grand nombre pour le confort du plus petit. Je synthétise sa pensée, mais globalement, c'était ça. Donc, bon, ça ressemble quand même pas mal, vous me l'accorderez, à de l'ultralibéralisme. Bon. Il y a un souci, je suis désolé, rien ne fonctionne. Oui, ben ça, on est... Rien ne encore une fois, je pense non, que tout le monde est d'accord sur le constat. On parle du service public d'État, mais pas seulement... Les transports, vous trouvez que les transports parisiens vont bien ? Mais c'est du service public, oui. Plus ou moins. Mais il n'y a rien qui fonctionne. Non, il n'y a pas grand-chose qui fonctionne. La poste ne marche pas, le transport ne fonctionne pas, l'école ne marche pas, la santé ne marche pas, la sécurité ne marche pas, la police ne marche pas. Exactement. À quoi sert la fiscalité ? Quand on dit qu'il y a de plus en plus de fonctionnaires dans la fonction publique, je ne sais pas laquelle, parce que honnêtement, quand vous supprimez... Là, c'est le collectif Nos Services Publics qui est plutôt socialisant, qui fait ce constat. Mais donc, en effet, on a. Il est biaisé, excusez-moi, il est biaisé. C'est pas qu'il est biaisé, c'est que ces agences sont mal utilisées, c'est tout. Oui, mais le déséquilibre me paraît trop grand. Quand vous avez Nicolas Sarkozy à l'époque qui annonce qu'on supprimera un fonctionnaire sur deux, ça n'a pas été qu'un discours, c'était une réalité. On a supprimé quasiment un policier sur deux. Oui, mais je vais vous dire, j'ai travaillé sur ce sujet-là. Ouais. Je pense, et on va donner la parole à Baptiste Gauthier, je pense que ce n'est pas qu'ils ont, supprimé, et c'est là où il y a un problème, les opérationnels, les gens sur le terrain. Bah, c'est un peu dramatique, non? Bah oui. Oui, non, mais la santé sur le terrain, mais en revanche, on est sur toujours plus de... Oui, mais regardez les régions, les communautés de communes et tout ça, ça fait des... Non, ça on est d'accord, mais je veux dire, les policiers qui ont disparu sur le terrain n'ont pas tous été recrutés pour les SGAP, les services administratifs, c'est faux. Il y en a beaucoup trop, on est d'accord, mais pas en proportion, c'est faux. Parce que on parle de milliers et de milliers de postes qui ont été supprimés. Alors, Baptiste Gauthier, rédacteur en chef du journal Contrepoint.
Oui, alors bon, moi, j'ai, dans ces discussions, j'ai toujours envie de demander. Je vais être un peu contre-courant, vous m'excuserez, mais. Oui, il faut. J'ai toujours envie de demander qu'on définisse correctement les termes, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on entend en fait par ultralibéralisme sur la question de la fiscalité. Alors, vous allez reprendre. Hein, je vous donne tout le temps qu'il faut juste derrière. Mais puisque vous parlez de la définition, je vois beaucoup là qui réagissent sur nos réseaux et qui nous disent on confond ultralibéralisme Thatcher avec néolibéralisme Lippmann. Voilà, ça peut nous orienter dans ce débat. Alors, là, il faudrait faire de l'histoire des idées. Je peux le faire si vous voulez, mais je ne suis pas sûr qu'on ait le temps. Oui. Parce qu'effectivement, en général, on parle de néolibéralisme alors que c'est pas le bon terme. Bon, bref, là n'est pas le sujet. On parlait tout à l'heure de la fiscalité des plus riches. Je pense que là, on parlait de la fiscalité de ce qu'on appelle les ultra-riches, où effectivement, il existe des mécanismes d'évasion et d'optimisation fiscale. Ça, c'est d'ailleurs dû, encore une fois, à la complexité de notre système administratif et bureaucratique et fiscal, ce qui fait que les plus riches ont les moyens de trouver toujours des moyens pour optimiser fiscalement, alors que les classes moyennes sont celles qui vont pâtir de cela. Donc moi, je peux vous rejoindre là-dessus. C'est-à-dire, je pense effectivement que la fiscalité écrase les classes moyennes, les petites et moyennes entreprises, et que c'est un véritable problème. Et effectivement, les ultra riches s'en sortir. Mais ça reste assez symbolique en réalité, parce que, si vous voulez, je pense qu'il y a un lien de causalité qui est tiré, qui à mon avis n'est pas bon. C'est-à-dire que c'est pas parce que les ultra-riches peuvent optimiser fiscalement qu'il y a en France aucune redistribution. On est en France un des pays qui redistribue le plus dans le monde, et d'ailleurs on mais voit alors bien, ils redistribuent où c'est ça la alors, question juste si on prend les dépenses sociales, par exemple la moyenne des dépenses sociales de l'OCDE c'est 21%, en France on est à 31,6%. C'est simple, c'est le pays où les dépenses sociales sont les plus élevées. Voilà. Donc les dépenses sociales, ça va être les retraites, ça va être la santé, mais ça va être aussi la redistribution, c'est-à-dire les aides pour acheter, pour la rentrée, lorsqu'on va acheter le matériel scolaire ou autre. Enfin, bon, rénovation énergétique, c'est tout un tas de choses, c'est très complexe. Voilà. Bon, par exemple, il y aura tout un tas d'aides ou autres. Donc en France. On a souvent ce qu'on appelle le sophisme qui voit de voir l'économie comme un gâteau fixe et où on découperait des parts de gâteau et on les distribuerait. En réalité, c'est un peu plus complexe que ça. Donc, je pense pas qu'il y ait en France un problème de redistribution des richesses. En revanche, je pense qu'il y a en France un problème de fiscalité effectivement sur les classes moyennes. Et ça, c'est un sujet sur lequel je suis d'accord avec vos deux autres. Mais donc, il y a peut-être un point sur lequel on peut tous être d'accord, c'est que finalement, il y a un problème dans la redistribution. Vous dites, l'argent, on en prend, vous êtes d'accord, on en prend beaucoup, peut-être trop, enfin, ça c'est une autre question. Vous êtes d'accord là-dessus, je ne sais pas si mes deux autres invités sont d'accord. En revanche, nous, on ne le voit pas concrètement dans ce qu'on appelle les missions essentielles, finalement, étatiques. Donc, la sécurité, la santé, le transport, l'école, l'éducation, tout ça. Donc, où est redistribué cet argent? On a parlé de dépenses sociales, je pourrais peut-être même poser la question des dépenses sociétales. Alors, Jean-Pierre Colombès, je voulais répondre, mais Emmanuel Grillet d'abord. C'était juste une observation. Très rapidement, effectivement, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit sur l'usage et les missions données aux fonctionnaires. Le coup, je parle des fonctionnaires de police, hein, je ne connais pas suffisamment les autres. Mais il est clair que si on était plus, je dirais, honnête avec les missions fixées aux forces de police, ça irait beaucoup mieux. C'est vrai, oui, on n'a pas parlé de ça. Oui, c'est dommage parce qu'on voit bien, pour l'avoir vécu de l'intérieur... Pensez par exemple à la politique du chiffre de Nicolas Sarkozy. Entre autres, notamment. On relève des trafics de chiffres qui sont en fait annexes, on va dire anecdotiques, et on ne fait plus les grandes enquêtes importantes. Oui, puis notamment, on délaisse surtout ce qui est gravissime, les atteintes aux personnes. Donc si on n'est pas rassuré... Ça fait moins de chiffres. Ça fait moins de chiffres, c'est beaucoup plus long pour sortir une affaire de ce genre-là. Puis on le voit bien, il y a une excroissance. On a judiciarisé totalement tous les systèmes, et notamment le système de la vie quotidienne. Donc on crée un engorgement artificiel qui fait que les services de police, par exemple, qui ont un effectif dans certains cas parfaitement raisonnable, mais ne fonctionnent plus. En tout cas, ne fonctionnent pas de manière satisfaisante parce que, tout simplement, on est gouverné par des crânes d'œufs dans les ministères qui considèrent qu'ils ont toujours la meilleure idée qu'un autre. Et puis, on oriente... Mais je ne vais pas faire... Non, mais c'est intéressant, cette politique du chiffre qui dévoile les missions, en fait. Oui, et tous le disent, en santé aussi, leur mission partout, est dévoyée. Exactement, partout. Et donc, en apparence, on est moins efficace. C'est surtout parce qu'on ne nous donne pas les bonnes missions. Oui, même si... Donc, dans votre discours que j'entends là, vous nous dites finalement, ce ne serait pas forcément une question de fonds. Mieux, on a des fonds, mais même, en tout cas, avec les mêmes fonds, on pourrait faire mieux. Ça pourrait beaucoup mieux fonctionner si tant est qu'on est déjà à peu près raisonnable et pragmatique à la tête des institutions. Emmanuel Grieux.
Oui, je rejoins ce point de vue-là, mais par contre, pour moi, effectivement, on prend toujours après, c'est vrai, effectivement, les points de vue, il y en a beaucoup, mais on prend toujours la mauvaise conclusion au final. La fiscalité, elle est lourde, mais elle n'est pas plus lourde. Vous parlez de la taxe foncière. La taxe foncière, il fallait bien s'en douter. La taxe d'habitation, elle allait bien revenir par la. Mais on est d'accord. Mais par la révision des bases. Et on a une augmentation du foncier. Ça, c'était, il fallait s'y attendre. Donc, moi, je pense que la fiscalité et l'impôt, du moment qu'il est dans sa mission première, il n'est pas trop lourd. Par contre, l'inflation actuelle est insupportable, notamment pour les petites classes et effectivement les moyennes classes. La fiscalité. Demander aux classes moyennes si l'impôt n'est pas trop lourd. Non, mais c'est surtout qu'il est reversé uniquement au préjudice des propriétaires. Oui. Alors que la taxe d'habitation, c'était pour tout le monde. Eh oui. Donc de fait, l'impôt. C'est inégalitaire. Directement, va reposer sur les mêmes. Mmh. Allez-y, Emmanuel Grillet. Et donc pour moi, ce n'est pas un problème de fiscalité trop lourde. À partir du moment où on a le courage des ambitions d'avoir une équité de territoire, effectivement. Après, par contre, sur la complexification, et là, je rejoins parfaitement ce que vous venez de dire. Mais ce que vous venez de dire, c'est exactement ça. C'est-à-dire que sur la complexification, nous, on le vit en permanence, la complexification administrative et technocratique, les superpositions des couches, tout à l'heure, vous l'avez abordé, les superpositions des couches qui ont été faites, alors que finalement, on avait une commune, un département, et on avait un État qui fonctionnait très bien. On a rajouté des couches superposées, comme les communautés de communes, les PETR, on parle de super communautés de communes, on a les super régions, on a toutes ces strates qui se multiplient, qui finalement complexifient la tâche, parce que moi, je peux vous dire, en siégeant dans ces différentes strates, que la complexification technocratique demande de l'administration qui permet de décoder et de parler français, finalement, pour le restituer aux élus. Vous assurez que les élus ont besoin de travailler pour récupérer cette salade. Et du coup, toute cette ingénierie qui est là en permanence pour décoder ces différents contrats qui arrivent sur le territoire et cette administration qui multiplie au final pour faire des choses qui existent déjà, ça, c'est un temps fou qui est perdu et qui manque sur le terrain derrière en concrétisation, en agent de concrétisation direct, quoi. C'est-à-dire sur le service public directement avec le territoire. Ça manque beaucoup. Baptiste Gauthier. Oui, je suis totalement d'accord avec ça, là, pour quoi, à 100%. Mais c'est pour ça que la solution, c'est qu'il faut changer de logiciel et qu'il faut changer de paradigme. Et il faut rentrer, pourquoi moi je dis qu'il faut rentrer dans un paradigme libéral, c'est qu'il faut que, et ça peut paraître peut-être un peu paradoxal à certains de vos auditeurs, mais je vous propose d'utiliser un autre terme que libéral parce que vous hérissez le poil de mes invités, de mes deux autres invités. Je sais, mais je suis obligé de le faire parce que malheureusement, c'est le cas, je m'excuse, hein, je sais qu'en France, c'est malheureusement un peu un gros mot parfois, mais moi je défends mon bout de gras. Non, mais parce que, en fait, il faut bien comprendre que la mauvaise utilisation de l'argent public dont on parle depuis tout à l'heure, c'est la conséquence inévitable du progrès de l'étatisme et de la croissance du rôle de l'État dans la vie des individus, dans la vie des collectivités. C'est-à-dire que si on ne décentralise pas, si on ne laisse pas les acteurs locaux faire, si on ne responsabilise pas les acteurs locaux, forcément, les administrations, les gens qui sont dans les administrations ne sont pas incités, si vous voulez, à faire en sorte que l'argent soit correctement utilisé. Parce qu'il y a trop de distance entre les Français qui vont payer des impôts, hein, le contribuable, et la personne qui est dans l'administration et pour qui c'est un peu loin, voilà, il reçoit de l'argent, il faut faire fonctionner le truc et machin. C'est pour ça que pour qu'une école fonctionne bien, pour qu'un hôpital fonctionne bien, il faut que les gens qui bossent sur le terrain puissent prendre des décisions, puissent véritablement gérer un budget. Mais donc il faut une forme de responsabilisation et il faut complètement décentraliser et faire reculer l'État. Et ça, le problème, c'est qu'en France, on n'a pas du tout fait ce travail, on a même fait l'exact inverse, qui est pour ça que je dis que c'est absolument pas du libéralisme, du néolibéralisme, de l'ultralibéralisme. C'est pas une question, c'est une observation. Effectivement, moi je suis pas un anti-libéral, hein, je suis pas un anti ni libéral ni ultralibéral. Ce qui choque en France en ce moment, c'est évident, c'est palpable, c'est le manque de pudeur, c'est tout simplement des inégalités flagrantes et le mépris. Le mépris au plus grand nombre. On est vraiment dans le ressenti, là. On n'est pas dans le... Oui, le mépris de la fonction publique essentielle, encore une fois. Oui, mais complètement. Quand on voit les inondations dans les commissariats, c'est honteux. Non, mais c'est fou, parce qu'il y a un manque de cohérence totale dans la gestion des finances publiques dans ce pays. Et pas simplement, mais même on parlait de procédure tout à l'heure. Dans la procédure pénale, on veut absolument introduire, par exemple, des éléments de droit anglo-saxon
Alors que traditionnellement, on n'avait pas du tout un droit pénal de cette nature. Oui, alors ça, c'est un très grand sujet, mais on ne va pas rentrer dedans. Oui. On veut tout et le contraire dans ce pays. Oui, on veut tout réformer. On veut être libéraux, et en même temps, on veut du service public. Moi, j'ai entendu des gens sous Sarkozy qui nous disent « Ah, heureusement qu'il est là, il a mis la police au travail. » Vous entendez des choses comme ça, ça vous replaît en pleine figure. Parce qu'il y a une méconnaissance totale de la charge de travail. Je vous donne un scoop, là, d'accord. Pour vos auditeurs. Allez-y, Je vous dis que là, vous savez ce qui se passe à Marseille ? C'est que la brigade criminelle... Des meurtres. Vous savez pas tout. La brigade criminelle perd des effectifs. Vous m'entendez ? Elle perd des effectifs. Conséquence, des dossiers ne seront pas traités. Oui. Voilà. Eh ben, c'est beau, ça, tiens. Oui. Ouais. Non, mais voilà. Non, mais c'est tout. Parlons de cohérence. Et je crois qu'on oublie... Oui, Emmanuel Grieux. Je crois qu'on oublie quelque chose dans ce débat. Et vraiment, ça part d'une réflexion de fond qu'il va falloir se donner. C'est que moi, je crois en la démocratie et je crois en politique. Et il me semble qu'il manque là-dedans, finalement... un peu une conscientisation de celle-là politique, puisque finalement, la démocratie, c'est avant tout le pouvoir au peuple, et la démocratie, et donc aux politiques, à avoir des véritables décisions, des véritables volontés sur l'administration et sur les choix à faire. Sauf que cette administration française aujourd'hui, elle est sous le diktat d'une Europe qui a peut-être d'autres valeurs que celles que nous avons, nous. Alors, par là, exemple, vous posez une vraie question. Eh bien oui, parce que le service public à la française, ça veut dire quelque chose, ça a un sens. Sauf que nous sommes gouvernés actuellement par, aujourd'hui, von der Leyen, mais c'est un pantin, je veux dire, c'est une poupée de chiffon. Ce qui est beaucoup plus, ce qui est impactant, c'est la philosophie globale de l'Europe. Et il est clair que le service public à la française, il est... hors concours, enfin, je veux dire, hors des sentiers battus des notions globales de l'Europe. On va parler tout à l'heure de l'Europe qui est aussi en train, et surtout de l'Allemagne, qui veut du mal à la France et notamment sur sa souveraineté énergétique. Peut-être une conclusion et vous n'aurez pas le temps de répondre pour elle. Parce que, mais donc, on vous invitera pour continuer tout ça. Finalement, est-ce que c'est pas tout simplement cet État qui a oublié d'être un État régalien et qui est devenu un État Big Mother, donc la redistribution et l'argent n'est pas forcément distribué là où il le faudrait. C'est peut-être là aussi qu'on peut tous s'accorder. En tout cas, merci à vous tous pour cet échange. Baptiste Godet, rédacteur en chef du journal Contrepoint. Jean-Pierre Colombias, merci à vous. On continue la série sur la police un peu plus tard. Ancien commandant de police au sein de la PJ. Emmanuel Grieux, merci encore à vous. Maire de Mandagou, merci d'avoir rappelé l'importance du politique, évidemment, dont on ne parle pas assez. Enfin, le politique, hein, la politique, pas la petite politique de tous les jours. Merci encore à vous trois.